quand la lumière du destin atteint la fin du monde. Le veilleur ailé montre la voie vers la lumière de la création. Quand le chaos des abysses ouvre les yeux à nouveau, tu suivras la fierté des lions au point de départ. Le destin t'appelle, ô élu. Ça va ? C'est ici que nos chemins se séparent. Mais nous nous reverrons. J'en suis absolument convaincu. Un destin commun nous attend, vous et moi. La fierté des lions. Va pour Fyrbourg, alors. Je ferais bien d'y aller. Inutile de faire attendre le destin. Il paraît qu'un prêtre célèbre arrive aujourd'hui. Moi, j'ai aussi entendu parler de lui. Sacrée réputation. On raconte qu'il peut tout soigner. Il paraît qu'il voyage pour soigner les gens. On m'a dit qu'il était là pour trouver quelque chose. Je me demande comment il est. Il passait tout à l'heure. Ça, où est-il ? C'est vraiment lui ? Il a l'air trop jeune. Il peut vraiment guérir ? Il est plutôt maigre. Papa, c'est qui ? Un prêtre très célèbre. Bienvenue. Bienvenue à Fyrbourg, mon père. Je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Mon père, Varout et le reste du village vous attendent avec impatience à la cathédrale. Ah, alors je ferais mieux de ne pas le faire attendre plus que ça. Allez ! Yeah!
Je vous remercie de m'avoir secouru. Vous rendez-vous à Fierbourg ? Alors, que venez-vous faire à Fierbourg ? Oh, vous cherchez l'Arche ? Vous savez, pour la plupart des gens, l'Arche n'est qu'un mythe. Pour tout vous dire, je la cherche aussi. Il paraît que ce village abrite une tablette gravée contenant des infos sur l'Arche. Oh, quelle coïncidence ! On pourrait peut-être voyager ensemble et... Tenez bon. Non. Merci. Ils m'ont suivi jusqu'ici. Attention, il y en a d'autres. Je crois que c'est terminé. Ah, bonté divine, vous n'êtes pas blessée ?